Il fait beau, mais il fait pas très chaud. Alors, j'attrape les pommes pour les chevaux. Mais avant, ce sera les poules. Comment ça va, mon petit chat? Hop. Les poules, c'est bon. Wow, on se calme. Il y en a pour tout le monde. Tu te débrouilles? Bah non, mon petit chat. Bah oui. Allez, viens. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, en tout cas moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je donne la petite pomme à Monsieur Noé. On est mercredi et je vais venir un petit peu m'occuper des poneys et vous filmer parce que je ne suis pas du tout en avance sur mes vidéos. Et j'avoue que là la saison d'hiver est là, très clairement. Voilà, les mauvais temps sont là, etc. Je vais voir les chevaux tout le temps, tous les jours. Je m'occupe pas d'eux souvent, les mercredis après-midi et les week-ends. Sinon, donc je peux vous filmer que les mercredis après-midi et les week-ends. Les chevaux, ils étaient dans ce box, par contre. Ça va. Il s'est désinondé, entre guillemets. Il reste plus que cette petite flaque. Mais en fait, voilà, tout ça... Bah en fait, tout le box, à part là, vous voyez la différence de couleur, ça a été inondé. Et pareil, là, ça s'est vachement diminué. Enfin, la flaque a vachement diminué. Donc ça, c'est cool. Je vais arrêter de parler parce que sinon, après, je parle trop et je n'arrive pas à formuler mes idées correctement. Donc bref, aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, pas trop, mais il fait beau. Donc je vais en profiter pour m'occuper des chevaux. Puis tout, il est propre en vrai. Enfin, je le brosse, je pense qu'il y a pas mal de poussière qui part, mais il est propre. Juste sa crinière est dans un état catastrophique. Je vous montre. Ça fait quelques temps que je m'en suis pas occupée et ça se voit. Voilà, on dit merci Monsieur Pichou. Donc je vais démêler tout ça avant que ça s'empire, même si là c'est bien emmêlé. Donc voilà pour ce que j'ai à faire à Pichou, je vais lui faire un petit pansage. Et en vrai, pourquoi pas faire une petite séance de tape. Et avec ce gros poney, pareil, c'est un pansage. Parce que dans ma dernière vidéo, je suis partie, il avait sa couette. Et là, je reviens, il a plus de couette. C'est parce qu'en fait, hop, je vais me tourner, ce sera mieux si vous voyez quand je parle. Le lendemain de la dernière vidéo, donc le lendemain de quand je lui ai mis la couette, il était trempé en dessous. Donc je lui ai enlevé, la couette elle a séché et du coup il s'est pris quelques jours de pluie sans couverture. Mais là ça fait 2-3 jours qu'il ne pleut plus, on a même du ciel bleu, oh ça te gratte, souple, on a même du ciel bleu et il est tout sec. Du coup je vais le brosser pour pouvoir lui mettre la couette ce soir. Il faut aussi que je lui mette le goudron. Mais on va peut-être passer à la douche avant. Parce qu'il allait dans le box tout là-bas et il passe là. Et là, du coup, je pense que je lui doucherai un petit peu les pieds histoire que je puisse correctement les attraper. Et là, il fait beau, je vais en profiter pour m'occuper d'eux. Parce que c'est vrai que le soir, quand j'arrive, il fait limite nuit. Même lundi, il a fait nuit parce que je suis arrivée, c'est presque 19h. Enfin, une galère. Enfin non, pas 19h, presque 18h30, pardon. Mais c'est la même. À cette heure-là, il fait nuit. Donc du coup, je vais commencer par enlever mon manteau. Parce qu'en fait, moi, j'ai sorti le gros manteau. En plus, de base, je ne mets pas lui, je mets juste ma petite veste. Là, j'ai sorti le gros manteau le jour où il fait le plus chaud. Je vais m'attacher les cheveux. Et du coup, je vais prendre Pichou, je vais lui faire un pansage. Merci.
On va ouvrir ça là plutôt. Je vais lui faire un petit pansage et ensuite, pourquoi pas faire une petite séance de tape. Non, Noé, je m'occupe de toi. Mais après, mon petit chat. Je peux vous dire que là le poney il est content. Bon, le pansage n'est pas fini, mais ça fait déjà 20 minutes que je filme, donc je vais arrêter de filmer le pansage. J'ai juste à lui démêler la queue et à la couper un petit peu. Et ses crins, j'ai démêlé, bien sûr, voilà, j'avais fait enlever le nœud, mais j'ai dû malheureusement couper. J'ai coupé tout ça, c'est là où il y avait le nœud, parce que... Allez, attendez, je sais pas si la mise au point va se faire. Apparemment non, elle n'a pas décidé. Allez, démêler ça. Sérieux. Et dites-moi comment vous aurez fait. Moi, à part couper, j'ai pas vu d'autre solution. Donc voilà, et après j'irai à la douche avec lui. Enfin, j'irai l'amener à la douche pour les sabots. Bon, je lui ai coupé la queue, je lui ai démêlé. Maintenant, on file à la douche pour les sabots. Alors là, l'herbe, comment elle est verte, je peux vous dire que ça leur ferait hyper plaisir. Mais en fait, c'est tout boueux. Donc, s'ils sortent, ils font des trous partout. Ce qui n'est pas totalement cool. Bon, t'es mignon, tu restes là. Il est là, non? Ouais. Parfait. Wow. C'est ça que je voulais faire. Non, mais c'est pour les sabots. T'en fais pas. Je compte pas te doucher plus haut que les sabots. Voilà, juste ça. Dire sur une dalle en béton, ça serait mieux. Mais on n'a pas. Oh mince. Pichou, arrête. Te tenir. Je vais le tenir. Voilà. La douche, c'est fait. Pas très content d'avoir de l'eau sur les sabots. Ce que je peux comprendre, mais bon. C'est au moins pour les rincer. C'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Et là, je vais pouvoir les curer. Allez, tiens. Même si tu le mérites pas trop, parce que monsieur se cabre. Oh, j'ai failli faire tomber. Monsieur se cabre quand je lui prends son sabot dans sa patte. Allez. Allez. Du coup, je vais faire la même avec Noé. Je vais vous mettre en accéléré parce que dans la dernière vidéo, c'était ça en fait. C'est exactement ce que je vais lui faire là. Un pansage plus le goudron. C'est ça qu'on dit, le goudron? Ouais, il me semble. Allez. Toi, on est bon. J'ai pas pris ton licol. La longe suffira. Il est parti au galop. Hein. Je vais prendre un licol. Et je vais aller le chercher. Non, il est parti au galop. Pichou, je sais pas où il est. Ah Pichou, il s'énerve. Nouille. Ah non, mais lui, il se met dans tous les états. Il a déjà fait au moins 3-4 allers-retours. Jusqu'à tout là-bas.
Il est là. Et ben puisqu'on est là, on va faire la douche. Allez. Non, elle était pénible là. Hop. Ah, ça bouge aussi. Après, c'est juste pour... Oh, c'est froid. Pour voilà, lui rincer le sabot pour que ça soit un minimum propre. Et pour moi, j'ai pas beaucoup de difficulté à lui prendre son sabot. Mais Peach, Pichou vient de se rouler, il est tout crade, alors que j'ai pris 15 ans à lui faire un pansage. Et d'ailleurs non, j'ai pas oublié de faire la séance, juste qu'au final je vais pas le travailler, parce que là j'ai pris le temps de le brosser, donc je vais le laisser tranquille. Pas de séance aujourd'hui, on fera ça une prochaine fois. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment que des soins pour se retrouver entre guillemets, parce que ouais, ça fait longtemps. Non mais sérieux. C'est ton frère, ouais. Parce que oui, du coup, ça fait longtemps, je m'en suis pas occupée comme ça. Donc voilà. Allez, la douche, c'est fait. Maintenant, on passe au ponçage. C'est arrêté, mais c'est bon, tous les soins sont faits, le goudron est mis, le poney est propre. Là il est 16h38, je pensais pas que ça allait me prendre, il dort, autant de temps. Du coup je vais nourrir maintenant et je vais lui mettre la couette maintenant, comme ça, ça évite qu'il se roule. Donc du coup là je range les affaires, je lui mets la couette. Allez, une petite pomme pour Pichu et on y go. Allez. Allez. Ah, toujours le premier avec ses palus. Vas-y. Très bien mon petit chat. Oui. Parfait. Hop. Et toi? La couette ouais, moi. Oh, elle m'a l'air pas trop mal en vrai. Je comprends pas pourquoi elle s'avance pas plus. Peut-être que... tu débrouilles. Peut-être que c'est trop serré en dessous. Et pourtant, non, regardez, il y a quand même pas mal de marge. Et je comprends pas pourquoi elle s'avance pas plus. Hop. Et là, pareil, j'ai des petits sanglants, mais bon, j'ai de la marge. J'espère quand même qu'il aura pas trop chaud, parce que là, le soleil, il est là. Bon, après, c'est vraiment juste une impaire, quoi. Y a rien dedans. Zéro. Mais bon, non, mais normalement, ça devrait le faire, mon petit chat. Hop, je vais aller rincer ça. Oh, coucou, c'est beau. On est quand même beaucoup mieux. Bon, pas l'extérieur, mais l'intérieur, on est bien. Bon, je vais arrêter cette vidéo ici puisque j'ai terminé ce que je voulais faire avec les chevaux. Trop contente, voilà, une petite après-midi avec les chevaux. Je me suis occupée de tout le monde, j'ai mis la couette à Noé. Enfin bref, parfait, parfait. Il est en train de manger là, le petit pois rouge. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous ai flouté.